pourquoi je suis là? Parce que j'en ai assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les PD. Pour moi, c'est la notion d'amour qui compte. Moi, c'est juste avoir les mêmes droits que tout le monde. D'accord. Sans pour autant parler de mariage, mais juste avoir les mêmes droits que tout le monde. Si on a deux pères et deux mères et qu'on a l'amour qu'on a besoin, ça pose aucun problème. Enfin, pourquoi on aurait un père et une mère alors qu'on peut avoir deux papas? Des enfants avec des parents homosexuels plutôt que des parents qui, enfin, des enfants qui restent dans des orphelinats. Dès qu'il y a une père, même si c'est deux papas ou deux mamans, tant qu'il y a de l'amour, c'est ça l'essentiel. Pour le moment, je suis hétéro. Je suis là pour liberté, égalité. Pauvre Jean. Qui n'a pas sa place au 21e siècle, quoi. Enfin, elle est complètement dépassée, has-been, et voilà. Pour moi, ils sont butés, ils essayent pas de chercher à voir plus loin. Ils restent aux années, je sais pas, dans la mentalité d'avant, quoi. Et maintenant, ça a évolué, et voilà, faut voir autour de soi comment c'est, quoi. Ils se démerdent avec leur raisonnement à la con et leur esprit fripé et ridé. Eh bien, je pense qu'assez souvent, ce sont des gens, j'appelle ça un peu les couples primaires, dans la mesure où ce sont des gens qui ont fondé un foyer vers 20-25 ans. Alors, ils sont contents, ils ont tout bon, quoi. Barjon, les pisse dessus. Ils sont en retard. Ils sont dans un autre monde. Aujourd'hui, c'est un choix de civilisation. Ils sont dans une position extrêmement rétrograde. Donc voilà, je suis scandalisé de cette démarche qui a entraîné des propos homophobes, terribles, à bien des égards, inacceptables. C'est un retour en arrière. Alors moi je vais dire juste deux doigts pour un anneau, pas pour la chatte à Barjo. Antigriste. Pour un anneau, pas pour la chatte à Barjo. Elle pratique l'inceste, pédophile, terroriste, intégriste, tout ce que vous voulez. À part l'amour, ils ont de la haine. La population était quand même plus cachée, la population gay était plus cachée. Maintenant on se montre totalement et voilà quoi. Comparons pas la manifestation des autres il y a 15 jours avec la manifestation d'aujourd'hui. Si vous donnez aujourd'hui les moyens financiers qu'ont eu les autres, vous allez avoir le même résultat. Nous, les homos, on est bien équilibrés, on connaît bien notre identité, notre orientation, et c'est que de l'amour. De toute façon, c'est obligatoire qu'il y ait moins de monde qu'il y a 15 jours, vu que nous, on n'a pas l'argent de l'Opus Dei et tout ça. Il y a plein de monde, on connaît plein de gens. Les gays, c'est une grande famille. Allons-y progressivement. Et dans un premier temps, il faut le mariage pour tous, il faut la MPA ensuite, et nous verrons le moment venu, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Si vous le mettez à l'ordre du jour, vous allez faire reculer le mouvement. Bah, il devrait autoriser tout, comme ça serait normal après tout. Hollande, il a été élu par une majorité aussi de gays, faut pas l'oublier. Quelquefois, il y a des retours en arrière, mais là, il faut pas de retour en arrière, il faut avancer. Mais de toute façon, ça va arriver bien un jour ou un autre, alors que ça arrive sous son gouvernement ou pas, ça changera rien. Si ça peut leur permettre de faire des trucs légalement, oui. S'il y a un prix, il y a un prix, on n'y peut rien, mais au moins ils sont dans la légalité. Ils n'ont pas le droit besoin d'aller à l'étranger ou je sais pas quoi. Peut-être qu'on n'est pas encore capable non plus d'accepter les trios et la polygamie, et peut-être que ça se fera avec le temps. Mais que pour l'instant, on a encore beaucoup de mal, alors si on pouvait faire une petite marche, ce serait bien. Et peut-être, dans quelques mois, quelques années, faire d'autres marches aussi. Bah après, la polygamie, ça n'engage que les personnes qui sont polygames. Je suis ouvert d'esprit, contrairement à d'autres. Bah, plus on a de parents, mieux c'est, non? Il ne faut pas qu'ils subissent la pression. Il y a une bonne partie de personnes qui veulent vivre libre et que... Cette chose, cette liberté, elle doit être vécue par tout le monde, pas seulement par un petit groupe qui opposerait des idées qui vont contre l'humanité.